Bonjour, comment il est? Toujours avec un grand, grand plaisir que nous retrouvons nous aujourd'hui pour parler de la cuisine de notre pays, la cuisine de La Réunion. Aujourd'hui, nous allons faire un zachar de façon simple, un zachar de Jacques sans trop mailler, parce que s'il maille trop, après, il ne trouve pas les ingrédients, sinon ça, après, il est dur pour faire. Les achats ici à La Réunion, ils font partie de notre culture, puisque longtemps, on m'y rappelle le fameux achat avec carottes, avec gros piments, avec haricots verts. Tu prends le temps pour faire, tu prends une vanne, tu coupes ça bien comme qu'il faut et tu fais le achat. Les ingrédients n'ont pas changé, hein, c'est toujours les mêmes ingrédients, sauf que là, nous allons faire lui avec un petit Jacques. Alors, le petit Jacques, ce que est intéressant avec lui, c'est qu'il faut faire très attention. Parce que si tu utilises un couteau, alors donc mettre bien l'huile sur le couteau et mettre bien l'huile sur votre main parce que après pour nettoyer, l'est assez compliqué et il faut enlever le lait qui coule là, la sève qui coule du Jacques avec soit un essuie-tout, sinon ça, un bout de papier journal. Le papier journal est plus intéressant que l'essuie-tout parce que l'essuie-tout il écrase un peu et le papier journal lui il froisse simplement, il enlève cette sève qui coule dedans, ce latex qui coule dedans, parce que je m'y pense pas que vous allez pouvoir manger si vous y mettez ça en dedans. Et le petit Jacques a plusieurs façons de faire. Il y a des gens, il pluche à lui en entier, il prend un couteau, il bat à lui, il prend le temps, il bat. Bon, moi, on l'a fait de façon simple, on la coupe à lui en rondelles, de façon à pouvoir éplucher à lui un peu comme un ananas, comme un fruit, comme un orange, comme nous fait. Moi, on l'a choisi la façon la plus pratique pour faire. Et voilà le résultat, c'est que moi, on coupe par petits morceaux comme ça, et quand on a fini couper en morceaux, ben, nous coupe en petits cubes de 2-3 cm de façon à passer dans le robot, parce qu'à la main même pour battre à lui, crois-moi, elle est assez compliquée. Donc, nous préparons notre bonnes épices, nous allons utiliser des oignons, nous prenons un oignon, nous coupons à lui comme nous voulons, soit en tranches, soit en petits carrés. Et moi, comme on a l'habitude de couper en petits carrés, la plupart du temps, nous coupons à lui en petits carrés. Et il faut nous aussi du gingembre, il faut nous du piment, il faut nous de l'ail. Pour mélanger tout ça, pas de thym, ils ne mettent pas le thym dans le achartis Jacques. Dans le monde, ils mettent aussi un peu de cumin, ou sinon ça, ils mettent des graines de moutarde dedans, tout ça là, pour donner le goût. Ça, c'est typiquement indien, quand il fait ça, quand il met tous ces épices-là, il fait partie des ingrédients du masalé. Hein. Donc, vous pouvez ajouter dedans. Et donc, moi, je l'ai fait de façon simple, et sans oublier le curcuma, pour rendre un petit peu jaune les affaires. Nous mettre de l'huile dans une marmite pour les besoins du petit film. Bon, ben on a pris quelque chose de large pour pouvoir gagner filmer. Sinon, ça, si vous mettez dans une marmite à peu près petit, un peu compliqué pour pouvoir faire des images. Donc, nous ajoute les oignons que nous l'a coupé grossièrement, comme il dit. Bien, nous fait bien revenir les oignons dans le marmite. Nous laisse lui bien frite. Et quand l'huile a fini bien frite, ben nous ajoutons les autres ingrédients, c'est-à-dire le piment, le sel, le l'ail. Si Zotti veut ajouter un petit morceau de combava en plus que le gingembre que nous l'ajoutons, Zotti peut. Ça, il dépend des goûts des personnes, bien sûr. Le zachar de petit Jacques, à cette façon-là, nous pouvons manger soit avec du riz blanc, soit avec comme achat, comme un condiment à côté. Hein, quand Zotti fait un rougail saucisse, un curry pois, une affaire comme ça, Zotti peut manger avec ça. Et le zachar de petit Jacques, il ne fait pas grossir. Hein, c'est un légume qui est faible en calories. Et surtout, ce qu'il faudrait mettre un peu, c'est de l'huile. Alors l'huile, il faut ajouter un petit peu quand même dans ce zachar-là, parce que l'huile a tendance à dessécher un peu comme une bringelle, tout ça. Hein. Si vous mettez pas, au lieu de mettre une cuillère d'huile comme d'habitude, là, on a mis 2,5 cuillères par rapport au Jacques. Le Jacques a été battu bien comme qu'il faut. On ne m'a pas salué au robot, parce que à la main, comme ils disent, il colle un tas, et puis il est assez compliqué, il prend plus de temps, et il vole partout dans la cuisine. Nous mélangeons à lui, nous vidaillons dans la marmite, nous mélangeons avec toutes les épices, petit doucement, nous prend le temps, de façon à ce que lui cuit. De toute façon, là-dedans, ils ne mettent pas de l'eau, il faut faire très attention, pas mettre de l'eau. Alors, le zachar de mangue, Nena, il fait moins comme il fait, mais il fait comme ça pour question pratique. Hein. Donc, Nena, il prend le temps, il prend avec un couteau, il coupe à lui en fines lamelles.
En fine lamelle, il chaude à l'huile et après il roussit les achats. Et la dernière mauvaise nouvelle que m'en a eue, c'est qu'on m'avait pris un pour goûter en bocal. Alors là, franchement, on est obligé de jeter. Et c'est pour ça que moi, m'en a fait cette recette-là. Et surtout pour demander, certaines personnes avaient demandé à moi de faire une recette, comment il fait. Alors donc, il me fait partage azote et nous fait alu de façon à partager en vidéo un peu partout. La recette n'est pas compliquée, elle est simple. Fais aide d'azote pour couper ça et fais attention surtout parce que quand tu mets l'huile sur le couteau et pour couper la peau, il risque de glisser et coupe azote et surtout sur le couteau, il coupe bien. Azote, il peut prendre à la rigueur un vieux couteau, hein, si vous avez un vieux couteau, il sert pas azote, repasse à lui, coupez, après azote, il met de côté là-bas. Pour nettoyer le couteau, il y a une façon simple, c'est que azote, il peut passer à lui à la flamme. Et puis je prends un chiffon, je nettoie à l'huile, je passe à l'eau chaude. Alors pour finir le achat, nous ajoute 2 cuillerées de vinaigre. Soit tu peux ajouter du citron, si tu as le citron sous la main, mais moi je préfère vinaigre. Hein, donc citron, je pense, il n'est pas pareil. Hein, je préfère du vinaigre de vin. Le citron, il a servi pour d'autres préparations, comme un bon rocaille brun gel, par exemple, ou PS un citron dedans, ou sinon ça, d'autres affaires où le citron est bien. Les bien placés. Sinon ça, là-dedans, tu peux ajouter aussi des gros piments. Parce que souvent, tu coupes des gros piments en longue, tu tournes à l'huile et tu mets à terre. Et là, comme l'huile est là, l'huile est bien bouillant là, tu peux préserver un peu dans un bocal, si tu as un bocal, tu bouges bien et tu peux consommer à l'huile 2-3 jours ou même un mois après. Dans le frigidaire, ça y consomme au bout de 6 jours. Voilà, la recette a fini. Merci, on y retrouve.